attention Moron. Parce que derrière ça peut venir vite. Oh là 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 là, quelle erreur. Quelle erreur de Moron. Faut qu'il annonce. A sorti et il a pas regardé derrière lui. Allez, tout de suite à relancer sur Livy Label. Voilà ce qui est fait. On attend un peu de soutien. On peut faire prendre le shoot. Il a raison d'ailleurs. Il a raison parce que sur un grand attendu, regardez Anthony Germont. Antonin Germont là derrière. Il fait le. Allez, de suite. Ah, il est pas super bien positionné. Ah, oui, oui, oui. Ah oui, il y a but. Si, si. Bravo. Ah oui, il y est. Ouais. Et ben comme quoi, hein. Char relâche un petit peu. Il y a un rebond qui est redonné. Et derrière, comme il est couché, ben, on vient lui déposer. On lui enlève. On vient lui déposer dans le but. Ouais. Et ça fait 1-0. Oui, ah oui, c'est peut-être. Ah, il faut y aller, faut pousser. Allez, pourquoi pas. Allez, par contre, si ça suit, c'est dangereux. Ça, il peut prendre un shoot. Shoot. Oh là là. Bel arrêt, effectivement, en arrière. Dégagé, ouais, c'est fait. Ah, dommage, il a poussé un peu trop loin, Olivier Label. Son palais. Et derrière, ça coupe l'élan. Lego. Ouais, attention, c'est... Oh là là, c'est beau mouvement, beau mouvement. Heureusement qu'effectivement, le numéro 15, là, c'est fait. Peut-être Niro, il va décaler. Voilà, c'est on attendait aussi. Pistilli, ah, c'est dommage, c'est une petite touche là. Ouais. Allez, si Mulhouse garde le puck, voilà, c'est fait. Allez, prends tout de suite au shoot. Premier attention. Et voilà le but. Il est passé. C'est Milan Djuric, je crois. Ouais, il me semble bien que c'est Milan sous le. Ouais. Entre les matchs. Oh, oui, on a essayé de la déviation, hein, au centre. Et Antoine Germont qui était tout de suite prêt. Et derrière, ce serait bien qu'il y ait pourquoi pas. On a Antoine Germont qui fait derrière, non. Il n'y a personne qui a suivi sur Antoine Germont. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'il y a un beau mouvement là, fait en père Antoine. Il y a quelque chose qui était pas mal, ouais. Neumann, attention, faut tout de suite l'empêcher de tirer. Encore une fois. Hein. Ah, c'était. Le 44, c'était Spinozzi, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas été appelé en différé, hein, cette pénalité. Hein. Ça s'est passé suite à... Ah oui, c'est du beau travail, Marc. C'est du beau travail, effectivement. Beau travail. Et regarde, boum, et but, et but! Ah oui! C'est l'axo. Ah bah ça a duré 2 secondes. Ouais, d'ailleurs, effectivement, c'est bien ça, hein, parce qu'il reste sur le banc, donc c'est une belle conduite. C'est ouvert de l'autre côté, s'il arrive à trouver, c'est fait, mais là, ça s'est refermé. Lindenmann, on essaie de décaler à chaque fois les ailiers. Contrer, de temps. Oh là, oh là là, sauvé. Sauvé. Sauvé par... C'était... T'as vu, avant chaque face-off, hein, ils annoncent ce qu'ils veulent faire, visiblement. Ça a été... ils sont parlé. Oula, et voilà. Le 44. Allez, il a fallu Kevin Spinozzi. 15 secondes. C'est la deuxième fois qu'il marque, non? Alors, c'est un Mulhousien encore. Hein. C'est un Mulhousien. C'est ça. Attention, attention. C'est Chad Pietroniro, oui. Le gardien Mulhousien là qui envoie ça loin. Ils sont en contrôle. Ils sont en contrôle du puck pour le moment. 13 secondes. Allez, faut monter. Wow, le but. Et voilà. On vous l'a dit. Regarde, à 1 seconde de l'arrivée. C'est Bosco, c'est ça? Oui. Allez. Mulhouse a... Allez, on prend la vitesse. Non, mais là, attention. Non, on n'arrive pas à se montrer dangereux. Attention, attention. Qui est là? Et qui est là? Oh là 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 là! Qui marque ce troisième but à 1 minute 43? Eh bien, c'est Monsieur Spinozzi. Ils sont encore sous le trait de la malédiction, hein, Mulhouse. Hein. Ah, une. Ouais. Pas de bêtises. Pas de perte de puck. Bon, voilà. On aura souffert jusqu'au bout. Je l'aligne en une fois. Ça va lancer dans le mouvement. Ah, mauvaise entente là. Hein. Ouais. Oui, c'est bien fait. Il y a un 2 contre 1 à jouer. C'est peut-être le moment où. Oui. Cette fois-ci, Kevin Ekfeuille qui marque. En faveur de Mulhouse, la prolongation avec ce but de Kevin Ekfeuille. Kevin Ekfeuille qui libère. Hein. Il avait effectivement fait une interview cette semaine en disant qu'il fallait se remettre dans le sens de la marche, qu'il fallait comprendre